La parole est à Sarah Proust. Merci, Monsieur le maire. Alors, une première délibération d'EV 186 que je suis particulièrement ravie de proposer ce soir, puisqu'il s'agit, dans le cadre d'un budget participatif, d'une subvention de 3 125 € à l'association APSAGE, un club de prévention que vous connaissez bien, pour un projet de buvette associative au Jardin des Halles. Ça fait très longtemps qu'on parle de ce projet, ça fait très longtemps que beaucoup sont engagés pour cette buvette associative. Donc l'idée, c'est une animation à caractère social dans les Jardins des Halles, et on sait que dans le Jardin des Halles, on a besoin de différentes animations. Et donc c'est la création et la gestion d'un kiosque de rafraîchissement et de petite restauration. Et c'est important parce que ça vise évidemment à favoriser l'accès à l'emploi des jeunes du quartier grâce à la mise en place d'un chantier éducatif, de contrats aidés, de stages. Et donc le projet n'attendait plus que cette subvention, puisque maintenant tout est prêt du côté des acteurs, pour pouvoir faire une expérimentation dès que possible et être totalement prêt dès que les beaux jours reviennent, a priori dès le mois d'avril. Voilà, donc il s'agit de cette subvention de 3 125 € au profit de l'APSAGE pour la mise en place de cette buvette. Très bien, pas de difficultés, unanimité, bon courage à eux. On continue avec Ville et Vacances. Bon, délibération plus classique des PSP 13, effectivement, c'est 79 200 € de subvention, deux qui concernent le 18e arrondissement. La première de 5 000 € pour l'association Académie de football Paris 18 et la deuxième de 800 € pour l'association Atelier comme à la maison. Merci Sarah, pas de difficultés non plus, unanimité, formidable.